Donc, bon, ben, moi, je suis Lucas Mathieu. Je travaille au CREG en tant que géomètre géomaticien. D'accord. OK, donc, je vais vous présenter QField, un QGIS sur le terrain pour appuyer la mise à jour du PCRS en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la présentation va s'organiser de la manière suivante. D'abord, je ferai une petite mise en contexte, en fait, sur pourquoi est-ce qu'on en vient à utiliser QField au CREG. Ensuite, je vous présenterai l'application QField en elle-même. Et après, donc, je vous montrerai comment mettre en place un projet sous QGIS Desktop et le rendu que ça donne dans QField. Pour terminer, sur l'intérêt de cette solution et les quelques idées d'évolution qu'on a pu avoir en utilisant l'outil. Donc, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du PCRS rapidement. Les exploitants de réseaux enterrés, donc type gaz, électricité ou eau encore, ont l'obligation de produire une cartographie précise de leur réseau. Et ceci pour éviter les accidents lorsqu'il y a des travaux sur ces mêmes réseaux. Pour cartographier ces réseaux, il faut un fond de plan. Et ce fond de plan, en fait, qui a été défini, c'est le plan de corps de rue simplifié, qui permet de repérer des éléments du corps de rue à partir desquels on cote en fait les réseaux pour pouvoir les repérer. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, il a été décidé de faire un fond de plan PCRS sous forme de photo RN à 5 cm. Donc, le CREG en Auvergne-Rhône-Alpes est coordonnateur du PCRS sur 8 départements. C'est sur chaque département, il y a des conventions. Il y a une convention sur le PCRS sur chacun des départements. Aujourd'hui, on couvre à peu près 25 000 km² de notre territoire en orthophoto 5 cm. Donc, la mise à jour différentielle, ça correspond en fait à ce que ce fond de plan il doit être vivant. Donc, il doit être mis à jour régulièrement. Et donc, pour ça, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a décidé de faire de la mise à jour différentielle annuelle. Cette mise à jour différentielle, en fait, elle est basée sur les remontées de nos partenaires qui ont la connaissance des travaux qui se sont déroulés sur le territoire et qui savent en fait les endroits qui nous remontent en fait les zones où il y a eu des modifications potentielles du corps de rue, donc création de lotissement, réfection de voirie, etc. Et donc, ils nous remontent ces zones et c'est à nous, ensuite, on en fait une synthèse qu'on envoie à nos partenaires sous forme d'atlas cartographique et c'est eux qui valident si oui ou non on met à jour telle ou telle zone. Donc, c'est ce que vous voyez en fait sur la capture d'écran que vous avez là. C'est on prend, lorsque la mise à jour est validée, on a le fond de plan initial, la graphie ARN initiale sur laquelle on vient plaquer une nouvelle photographie uniquement sur la zone à mettre à jour. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à utiliser QField? Tout d'abord, cette partie mise à jour, elle était gérée par une personne au CREG au départ, donc quand ça a commencé en 2017. Et tout était géré sur le terrain par des atlas papier, avec des observations manuscrites et des photos qui étaient prises à part. Le souci, c'est que c'est une méthode qui nécessite beaucoup de retraitement. Il faut indiquer sur le SIG, il faut retranscrire toutes les observations manuscrites sur le SIG, une fois retourné au bureau, et gérer les photos à côté. Le problème, c'est qu'entre 2017 et aujourd'hui, on arrive à 400 zones à peu près de mise à jour en 2020. Comme en plus, on est 3 personnes à gérer ça, il nous fallait aller beaucoup plus vite et avoir quelque chose de beaucoup plus standardisé en fait, dans la façon de collecter les données. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de passer sur une collecte via des tablettes terrain. Au départ, on était parti sur une solution qui s'appelle Géopopy. Mais au final, c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que c'est un petit serveur Lismap en fait, sur Raspberry Pi qu'on emporte sur le terrain. Et c'est un peu plus compliqué à mettre en place finalement. Donc, on est passé sur QField. Donc, aussi, on a choisi ces petites solutions qui sont basées toutes les deux plus ou moins sur QGIS parce qu'on est des utilisateurs de QGIS en fait, au CREG et ça nous paraissait important de valoriser une solution QGIS. Donc, QField. En elle-même, QField, c'est une application open source. Dont l'objectif est la collecte de données terrain, de données spatiales. Elle est développée par l'entreprise suisse OpenGIS et elle est disponible uniquement pour Android pour l'instant. Donc, QField, c'est basé sur le noyau de QGIS. Donc, c'est les bibliothèques de QGIS qui sont derrière l'application. Autour de ce noyau, il y a une interface, des rasters très courants, donc comme du GeoTIFF, du JPEG 2000, du Shapefile ou du GeoPackage encore, et des bases PostGIS, ainsi que des flux OGC, WMS ou WFS. Ça a un gros avantage parce que ça permet autant de travailler en ligne, donc avec une connexion Internet, comme hors ligne. Et enfin, donc le paramétrage de QField se fait avec QGIS.
Donc, pour vous expliquer un peu l'architecture avec QField, donc vous avez votre PC sur lequel vous avez votre QGIS Desktop, sur lequel vous paramétrez tout votre projet, donc vos couches, vos formulaires et votre symbologie. Une fois que vous avez créé votre projet au format QGIS, et ainsi que vous avez défini les couches que vous voulez avoir en hors ligne, vous pouvez transférer tout ça sur votre terminal Android. Et une fois en fait, sur votre terminal Android, où vous avez l'application QField, c'est QField qui se charge de faire le rendu du projet. Vous faites votre collecte de terrain avec votre projet, et ensuite, toutes les données que vous avez collectées, vous pouvez les récupérer sur votre terminal et les réinsérer dans votre SIG une fois revenu au bureau. Donc ça peut se faire autant avec vos outils classiques comme avec le plugin QField Sync, dont je parlerai un peu dans cette présentation. Donc, maintenant, la partie mise en place d'un projet. Donc, en fait, la mise à jour la mise en place d'un projet, elle se fait avec QGIS Desktop. Tout d'abord, je vais vous mettre quelques conseils qui sont également disponibles pour certains dans la documentation de QField. Tout d'abord, c'est de s'astreindre à travailler dans un dossier local. Donc, de mettre en fait son projet ainsi que toutes ses couches dans un seul et même dossier. Et enfin, il faut penser quand même que QField, ça reste sur des terminaux Android, dont les ressources matérielles sont limitées. Et donc pour ça, je vous invite à optimiser vos couches, notamment grâce au format GeoPackage, autant pour des rasters que pour des vecteurs, afin en fait d'avoir un rendu beaucoup plus fluide. Donc, hop, je vais partager l'écran. Donc maintenant, sous QGIS, là vous voyez, ça c'est notre petit projet au CREG qu'on utilise pour faire notre terrain pour la mise à jour différentielle. Donc là, vous voyez, j'ai mes diverses couches, un fond de plan, dont je vais vous expliquer un petit peu. Là, par exemple, ici, vous avez le fond de plan, un fond de plan OSM, OpenStreetMap, donc qui est lui, par contre, chargé dans un MBTiles, donc qui est une petite base SQLite, un peu comme le GeoPackage, qui est basé sur un conteneur SQLite, mais qui est orienté en fait stockage de tuiles raster. Donc, vous avez ensuite des fonds de plan limite administrative. Je vous expliquerai un petit peu leurs fonctions, parce que là, ils ne sont pas affichés. On ne souhaite pas forcément les afficher. Mais ils ont une fonction de recherche, puisqu'il y a un champ de recherche dans QField qui permet de se localiser. Et ensuite, vous avez diverses couches ici, qui servent à la saisie, ainsi que pour les formulaires. Et toutes ces couches-là, ces couches que je viens de cliquer, elles sont toutes stockées sur la démo. Donc voilà, vous avez les différentes couches qui sont stockées dans un seul et même GeoPackage et qui servent donc pour la saisie. Donc je vais vous montrer un petit peu le formulaire qu'on a mis en place pour QField et qui est retranscrit en fait avec l'interface de QField ensuite sur la tablette. Donc voilà, vous avez différents champs qui sont organisés dans des boîtes avec des listes déroulantes et qu'on va retrouver sur QField. Donc voilà, ça c'est notre formulaire ensuite avec des listes déroulantes qui nous a permis la standardisation de notre saisie. Et ensuite, ça c'est une table. Donc ça c'est pour expliquer aussi pourquoi il y a ces onglets. C'est parce qu'on gère cette mise à jour avec des relations multiples. Et QField les supporte, les relations multiples. Donc de 1 à plusieurs. Et donc là-dessus, donc voilà, c'est notre base pour prendre plusieurs photos. Donc maintenant, je vais vous parler un peu paramétrage. Donc ça, c'est pour QField. En fait, on peut utiliser un plugin qui s'appelle QField Sync ou faire un projet, donc en suivant la documentation, comme ce que j'ai fait ici. Et un projet, en fait, c'est un classique, comme on a l'habitude de faire avec QGIS. Donc ici, dans les paramètres du projet, il est important de regarder que votre projet enregistre les chemins en relatif pour qu'il puisse être décodé sur votre tablette. Et ensuite, je vais vous emmener dans source de données. Donc, c'est ici qu'on va paramétrer le comportement des couches dans QGIS, et ça, c'est important pour QField. Parce que, par exemple, là, pour les fonds, on n'a pas besoin d'autre chose que de voir ces fonds. On n'a pas besoin qu'ils soient identifiables quand on clique sur la carte, ou encore qu'ils soient éditables. Donc, QGIS, par défaut, ne le permet pas, l'édition de couches recherchables. Je vous montrerai ce que ça donne après. Ensuite, vous avez diverses couches, en fait, pour les listes déroulantes, qui, là, n'ont pas besoin d'être en écriture. Et qui ne sont pas visibles puisqu'elles ne sont pas spatiales. Et ensuite, vous avez la couche de saisie, qui, elle, doit être identifiable, sur laquelle on doit pouvoir cliquer, et qui doit pouvoir être éditable et recherchable. Donc voilà. Et ensuite, pour les relations, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut gérer les relations dans QGIS, et ça vous permettra de faire des formulaires un petit peu plus complexes. Donc voilà, moi j'en ai terminé sur QGIS. Eh bien, très bien. Ah, tu continues, du coup, il reste encore une petite slide?
Il reste les slides sur QField. Eh bien, vas-y, c'est parti. Donc, le rendu sous QField. Donc, QField, de l'interface de QField, c'est celle-ci. On arrive dans QField, en fait, par l'ouverture d'un projet. Et ensuite, vous voyez, là, vous avez le projet que je vous ai montré sur QGIS, rendu par QField. Donc, on retrouve exactement la même symbologie que dans QGIS. Et vous allez voir, au fur et à mesure de l'interface de QField, on retrouve quasiment les mêmes éléments avec l'interface de QField, mais c'est quasiment les mêmes éléments. Donc là, dans le panneau de gauche, dans le menu burger en haut à gauche de votre QField, vous retrouvez vos couches avec l'organisation que vous avez dans le QGIS. Vous pouvez également activer l'édition avec ce petit bouton en cliquant sur la couche dont vous avez besoin d'éditer, notamment pour dessiner des géométries. Un petit point aussi, c'est quand vous faites un appui tactile long sur une des couches, vous pouvez activer ou désactiver sa visibilité. Ensuite, donc là, c'est pour vous parler du champ de recherche. Donc, ce qu'on a paramétré dans QGIS tout à l'heure, on le retrouve ici. Les couches recherchables, en fait, la barre de recherche, lorsque vous mettez un mot, il va rechercher dans les couches sur lesquelles il a le droit de rechercher et il vous renverra les entités qui correspondent avec le nom que vous avez paramétré, qui correspondent à ce motif. Une fois que vous cliquez dessus, il vous renvoie sur l'entité géographique sélectionnée. Ensuite, donc là, c'est pour vous montrer un petit peu lorsqu'on fait un appui sur une entité. Donc, par défaut, en fait, QField, il vous rend toutes les couches qui sont sous votre appui. Donc là, il n'y en a qu'une qui est active. Et là, c'est une entité. Et là, vous voyez, on retrouve le formulaire paramétré dans QGIS rendu avec l'interface de QField. Donc, on retrouve les boîtes d'attributs et les différentes listes déroulantes. Donc là, ça c'est la table, comment dire, les tables liées, les entités filles par rapport à cette entité 2020 63 Enedis. Et donc là, vous voyez le formulaire avec les listes déroulantes. Et ensuite, pour vous montrer le champ, lorsqu'on passe sur les photos, donc dans QField, en fait, pour paramétrer la prise de photo avec QField, dans QGIS, on met pièce jointe. C'est un champ sous forme de pièce jointe. Et QField le rend de la manière. D'une manière, en fait, comme si on pouvait ajouter depuis votre terminal une photo ou en prendre une avec l'application photo de votre terminal Android. Donc, lorsqu'on clique sur l'appareil photo, ça envoie vers l'application photo de votre terminal Android et vous pouvez prendre une photo qui est ensuite rendue dans QField. Donc, voilà, ça en est terminé pour la petite démo sur QField. Donc, pour terminer cette solution, nous, l'intérêt qu'on y a trouvé au Craig, c'est déjà une facilité de mise en œuvre. C'est très facile de mettre en œuvre un QField dans le sens où il n'y a que l'installation sur le terminal Android. Et après, si vous utilisez déjà QGIS au quotidien, en fait, vous créez votre projet avec QGIS. Ensuite, donc ça s'intègre très bien dans un environnement QGIS, bien évidemment. Et de ce fait, comme c'est du QGIS derrière, ça reste quand même un vrai SIG terrain. Et du coup, on a des formulaires très complets, on peut prendre des photos. Et on a aussi la géolocalisation qui permet de se replacer sur la zone sur laquelle on est, avec la localisation de votre terminal Android. Et enfin, pour dire, c'est un projet qui est très dynamique, qui se développe, où le développement est très dynamique, puisqu'il y a de nouvelles fonctions assez régulièrement et de nouvelles versions aussi très régulièrement. Et enfin, pour finir, des petites idées d'évolution que nous, on a vues en l'utilisant, c'est que, par exemple, le tracé des polygones est assez particulier sous QField, puisqu'en fait, il faut déplacer la carte pour tracer un polygone, et non pas tracer le polygone comme on a l'habitude de faire, par exemple, avec QGIS. Et enfin, ce qui pourrait être bien aussi, nous, ce qu'on trouve qui pourrait être bien, ce serait des fonctions GNSS peut-être plus poussées, puisque la géolocalisation à l'heure actuelle, c'est quand même très basique. Ça fait très bien le travail, mais on pourrait imaginer plus de fonctions. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté, du coup, et puis voilà. Eh bien, très bien. Merci, Lucas. Merci Lucas. Franchement, merci d'avoir tenu malgré les coupures. Des fois, il n'y avait que les voyelles. Donc voilà, à chacun de placer les consonnes là où il faut. Et puis, il y a quand même quelques questions. Régis, c'est toi qui dis les questions du coup? Ou c'est... Oui, je peux dire. Hein, je reviens quand même juste sur. Est-ce que tu peux revenir sur la slide juste avant? Donc une question. Est-ce que vous avez contacté le projet QField et OpenGIS pour leur soumettre ces questions? Non, pas. C'est vrai que pour l'instant, on utilise QField, on l'utilise
peu en ce moment. C'est vrai que nous, c'est par période. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trop, ouais. On n'est pas trop dessus, quoi, en fait. On n'a pas trop le temps de s'en occuper. Donc, ouais. N'hésitez pas, ça prend le temps juste d'envoyer un message ou un ticket. Moi, je reviens sur le tracé des polygones pas intuitifs. Je sais que c'est un sujet qui a beaucoup, beaucoup débattu et que c'est une conception ergonomique voulue. Pour être capable d'avoir de la digitalisation de précision avec une seule main dans des environnements complexes, et alors que poser un point avec des doigts, ce n'est pas si facile que ça pour faire précisément. Donc, ça mérite d'ouvrir le débat, probablement. Voilà, ça, c'est un point. Alors, sur les questions, elles sont très, très nombreuses. On nous pose la question, est-ce qu'on peut se connecter à des GPS externes qui feraient du GNSS, etc., sur la tablette ou le téléphone? Oui, donc la question, c'était sur le GNSS. Donc, à la connexion d'antenne externe, en fait, ça se fait, c'est plus dans QGIS que dans Android que ça se gère, puisqu'il faut qu'Android gère les positions fictives, puisque QFIL, lui, il supporte que, et en fait, il reprend la position donnée par le terminal Android, mais on peut connecter en fait un GPS externe en disant au terminal Android d'utiliser des positions fictives fournies par un autre terminal. Okay. Et ça se gère avec des applications particulières. Okay. Sur la partie GNSS, je pense que la confusion avec Geopoppy, c'est aussi lié au fait que Julien Ancelin est à fond dans les GPS RTK open source et qu'il est en train de nous apporter des solutions open source de positionnement centimétrique temps réel avec un réseau collaboratif d'antennes centipède. Donc, allez le voir, c'est un truc. Et posez des antennes chez vous, sur votre maison, pour que le territoire soit couvert par des abonnements gratuits. Autre question, les données, donc on a compris que c'était un jeu package côté dispositif mobile. Quelles sont les données au départ? Quels sont les moyens de stockage des données au départ? Est-ce que c'est du Shape, du Postgres, ce qu'on veut? C'est, bah, disons, QField, en fait, on prend, voilà, à la base, on fait ce qu'on. Il y a une liste de formats qui sont supportés sur la documentation de QField. Et en fait, ça dépend. Pas en fait l'intégration des bibliothèques, parce que tout noyau QGIS n'est pas intégré en fait dans l'application QFIL. Donc du coup, c'est le support logiciel dépend de ça. Mais on peut mettre, voilà, Postgres est supporté tant qu'on a une connexion, puisqu'il n'y a pas, voilà, par rapport à ça. Il y a donc le shapefile, bien sûr. Mais voilà, moi j'ai parlé surtout du GeoPackage pour des questions d'optimisation du projet. C'est surtout par rapport à ça, parce que c'est vrai que le GeoPackage, c'est très optimisé, notamment dans un environnement mobile. D'accord. On a deux questions vis-à-vis de l'ergonomie des formulaires. Une première est, est-ce que quand on fait la saisie, tout doit être rempli à la main, ou est-ce qu'il peut garder en mémoire les derniers attributs saisis comme dans QGIS bureautique? On peut garder, on peut mettre des valeurs par défaut. D'accord. Voilà, donc on peut paramétrer des valeurs par défaut, et elles sont reproduites dans QFIL. QFIL les prend en charge, les prend en compte. Et deuxième question, est-ce que la multi-édition est supportée dans QFIL, donc sélectionner trois objets et puis saisir en masse un champ via un seul formulaire qui concernerait les trois objets? Alors ça, on n'a jamais testé. Je pense, enfin, moi, de ce que j'ai vu, je ne pense pas que ce soit possible, mais ça pourrait être intéressant de regarder plus en détail. C'est vrai que nous, on n'a pas testé ça. Alors, en grattant, il semblerait que ce soit dans les features qui sont censées fonctionner, mais il y a des petits bugs encore, mais apparemment, c'est dans la feuille de route. Mais à vérifier, à tester sur le terrain. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'aurais ratées? Hormis nos excuses, hein, sur les problèmes de connexion, c'est a priori réglé. On a déchargé le serveur pour faire ça. Il y a des gens qui sont dans les soutes qui essaient de réparer les moteurs. De questions. Après, on a des questions un peu sur les données, sur la précision, des choses comme ça. Et donc, notamment, il y avait le temps de remonter, parce que c'est pas si simple. Y avait-il une automatisation possible pour la saisie du formulaire, ou est-ce qu'il doit être rempli à la main? Alors, je sais que ça a déjà eu des réponses dans le chat, vous énervez pas les gens, c'est juste pour que comme ça on puisse l'avoir dans l'enregistrement. Donc, quand vous parlez. Formulaire automatique. C'est un peu la question que je posais avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être... En fait, on peut gérer par des valeurs par défaut déjà qui sont pré-paramétrées. Et on peut le faire sur plusieurs champs différents. Mais après, voilà, c'est vrai que le formulaire, après, c'est un peu comme QGIS, quoi. C'est un peu, sur ça, c'est un peu la même gestion que QGIS. On peut mettre des valeurs par défaut. Et aussi, je crois que ça supporte des expressions, hein, sur le remplissage du champ. OK.
Une dernière, est-ce que QField gère les relations 1N qui sont paramétrées dans le projet? Oui, toutes les relations, en fait, c'est ce que je vous ai montré. C'est, on peut gérer des relations N, et c'est ça, c'est très pratique justement parce que ça permet de faire vraiment des formulaires très complets, quoi. Ah, et voilà Julien Ancelin qui. On parle de lui, il arrive sur le chat. QField versus Input, ce que vous avez testé au Craig. Alors, input, j'ai testé, mais très très brièvement, et franchement, j'étais plus, enfin. J'ai un peu de mal encore à voir comment dire, c'est aussi, c'est vrai que c'est basé aussi sur QGIS, mais c'est un peu différent. Voilà, j'ai l'impression que QFID est plus complet. Alors, je pense qu'il faut parler, pour parler de tout ça, il faut compléter QField ou Input, c'est les applis de saisie mobile. Elles sont toutes les deux complétées par un espace cloud dédié à la synchronisation à la volée, QGIS Quick hein, derrière. Et tout ce qui est synchronisation offline et synchronisation à la volée sur le terrain, est-ce que c'est des choses que vous avez en tête? Parce que pour l'instant, QField, c'est on récupère toute la donnée, on part avec. Et on revient, on pose, mais est-ce que vous auriez des besoins de synchroniser avec la 4G quand vous avez le réseau? Bah disons que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de, on n'a pas de module 4G en fait sur nos tablettes, donc c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais on ne s'est pas posé la question. C'est vrai que la synchronisation, nous, c'est vrai qu'on fait du retraitement derrière. On retraite nos données en arrivant pour les intégrer dans notre SIG. Donc c'était l'idée de synchronisation ne s'est pas encore posée. La question ne s'est pas encore posée. Mais c'est Ça possible. déchaîne les foules en termes de questions. Ça continue, ça continue. Moi, j'en rajoute une. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de conflit de saisie entre des gens qui travailleraient au bureau et des gens qui reviennent, qui synchronisent QField avec de la donnée terrain? Et est-ce que vous avez des procédures de gestion pour ça? Alors ben déjà, première chose, j'ai mis en place des UUID dans la base parce que comme ça permet justement notamment sur les fiches terrain, d'avoir un identifiant unique pour chacun. Ça, c'était la question. Alors on n'a pas eu de conflit parce qu'après c'est qu'on le gère quand même assez, ça va, on a des outils pour le gérer. Donc, mais c'était l'idée dès le départ, c'était de mettre des UUID et QField maintenant les supporte, les UUID, donc ça c'est pratique. Ça permet d'éviter les conflits. Alors, moi, je porte à votre connaissance le fait que QField appliqué à des réseaux de réseaux d'eau en Suisse, dans la base Postgres, il y a un schéma tampon où les données tombent en quarantaine. Et s'il y a conflit sur les clés, alors ça tombe en validation de l'administrateur. Sinon, bah, ça met à jour à la volée les données sources. Allez, on va prendre une dernière question. Julien Ancelin, je ne sais pas si c'est une question. Il dit que le type de données point Z PostGIS n'est pas supporté dans QField. Est-ce que vous avez déjà utilisé des points, des géométries 3D? Non, ça, les géométries 3D, non. On travaille déjà en 2D. Voilà, c'était déjà nous l'idée, ça nous apportait quand même déjà pas mal. Donc la 3D, ça sera pour plus tard peut-être. Mais non, on ne travaille pas en 3D pour l'instant.